Hola, buenos días a todos. Ya estamos aquí en directo Hola. para este encuentro que tenemos. Nuestro invitado de hoy es Jean-Louis Caillou, que nos va a anunciar algo que estamos preparando, creo, de mucha importancia. Entonces, lo voy a hacer entrar ya y vamos a hacerlo en dos lenguas. Yo le traduzco al doctor Jean-Louis y hablaremos en las dos lenguas, ¿ok? Bonjour à tous. On va donc commencer ce rendez-vous avec le docteur Jean-Louis Caillou, qui était prévu pour qu'il nous annonce des belles choses, qu'il va nous expliquer. On va donc le faire rentrer. Et je parlerai donc la traduction. Ce sera donc en deux langues. L'espagnol et le français. OK? Voilà, je fais rentrer le docteur Jean-Louis Caillou. Bonjour, Jean-Luc. Bonsoir à tous. Hola, buenas tardes a todos y hermanos y hermanas. Eh bien, voilà. Bien, bien. Alors, avant de commencer, Elisa, Antes de empezar. je tiens à préciser que j'ai déjà expliqué lors d'un satsang au mois de novembre l'année dernière ce qu'allaient être ces agapés online. Yo ya expliqué en un samsam en el mes de agosto lo que íbamos a hacer ahora. ¿En qué iba a consistir estos agapés que estamos preparando? Comme vous le savez peut-être, nous avons déjà fait un agapé online avec les Espagnols. Empezamos ya con uno en español. Hace poco hicimos uno en español para solo los hispanos. Et à ce sujet, donc, Elisa, c'est toi qui vas nous dire comment ça s'est passé et ce que tu as vécu, parce que maintenant, il nous tarde de faire tous les autres qui commencent la semaine prochaine. Y la experiencia que tuvimos con los hispanos fue preciosa. Entonces, eso fue el primero que anunciamos, pero habíamos prometido que íbamos a hacer esos agapé online con pequeños grupos de diferentes lugares del mundo, a nivel un poco individual, para poder conseguir el mismo resultado que conseguimos con los hispanos. Y lo que vivimos con los hispanos fue maravilloso. Espero que haya aquí algún testimonio de alguno que asistió. Y entonces, pues vamos a repetirlo ahora con diferentes lugares del mundo. Alors, je vais quand même réexpliquer parce qu'apparemment, les Portugais et les Brésiliens n'ont toujours pas Pero compris. parece que no lo estáis en que la gente hasta que no lo vive no lo está entendiendo. Entonces vamos a reexplicar otra vez. ¿De qué se trata lo que estamos proponiendo? Alors, bien sûr, on l'a appelé Agapé Online. Le llamamos Agape Online, Mais ça n'a rien à voir avec des résonances agapées. pero no tiene nada que ver con las resonancias Agape. Je réexplique de façon claire ce à quoi ça correspond. De manera clara, ¿en qué consiste esos Agape Online? Donc nous sommes dans ces séances, si on peut dire, agapées online. Nous sommes tous connectés en audio et en vidéo. Estamos todos conectados en audio y en vídeo a través de Zoom. Et le but, bien évidemment, n'est pas de vivre le feu du cœur ou des expériences mystiques d'aucun ordre. No se trata de vivir ningún tipo de experiencias místicas ni nada de eso. Mais uniquement de se retrouver dans le grand silence, c'est-à-dire se retrouver en ce que l'on a toujours été. Más bien de encontrarnos en este gran silencio, ese grupito que vamos a formar y encontrarnos en realmente lo que somos y lo que siempre hemos sido. Ça n'a rien à voir avec des vibrations, des énergies ou des connaissances quelconques. Con energía ni vibración. C'est simplement le fait que vous soyez présent. Simplemente el hecho de estar presentes. Si l'on peut dire dans votre intimité, puisque vous êtes seul ou en couple chez vous. Y además solos en vuestras casas, con vosotros mismos, en vuestro entorno personal. Et cet aspect du virtuel, c'est différent d'un stage où nous sommes réunis physiquement. Este aspecto del virtual que es diferente cuando estamos todos
réunidos en presencia, va recréer spontanément, sans effort, a recrear de manera diferente un état d'accueil, d'acceptation et de présent, un estado de acogimiento y de aceptación, où la présence de chacun devant son écran, donde la presencia de cada uno delante de su pantalla, va vous emmener tout naturellement à l'ultime présence, à Chantilly. Va llevar de manera natural a la última presencia, de manera natural. Et ça va vous amener tout à fait naturellement, sans avoir besoin d'énergie, de connaissance, de mental. Necesidad de nada, de energía, ni de nada, de nada. À vivre ce grand silence. A vivir ese gran silencio. En el grupo que vamos a formar a través de Zoom, todos juntos. Le simple fait de s'écouter les uns les autres dans ce que nous avons à dire, ce qui passe. El hecho de escucharnos los unos y los otros en lo que pasa dentro de cada uno, va créer naturellement cet accueil. Va a crear de manera natural ese acogimiento. Et je crois que tous les frères et sœurs espagnols qui ont déjà participé à cet événement, creo que los españoles que fueron los primeros que participaron a estos encuentros, continuent d'ailleurs à en témoigner aussi bien sur Facebook qu'ailleurs. Continúan testimoniando de lo que vivieron a través de Facebook y otros medios. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Aquí no hay ninguna obligación de nada. Comme vous le saviez peut-être, j'avais prévu de faire ces agapés online déjà en septembre-octobre de l'année dernière. Digamos, el año pasado. Mais il a fallu attendre que les circonstances collectives de l'humanité, pero había que esperar que las circunstancias colectivas de la humanidad arrive à ce fameux événement à l'horizon, lleguen a este famoso acontecimiento al horizonte, pour nous permettre les uns et les autres de vivre, je dirais, de plus en plus facilement l'instant présent, le temps zéro, para poder vivir los unos y los otros todos ese instante presente. Alors nous avons programmé avec Elisa ces agapés online par secteur géographique. Entonces decidimos de hacerlo por sectores geográficos. Les Québécois ont parfaitement compris l'intérêt de cette réunion puisqu'ils se sont inscrits énormément. Los québécoises, los de Canadá, se han apuntado muchos para este día 20. C'est le cas aussi pour les futurs agapés online correspondant au nord ou au sud de la France. También en el norte y en el sur de la Francia van a participar muchos. Mais je suis étonnamment surpris qu'il n'y ait quasiment aucun Portugais ni aucun Brésilien qui se soit inscrit. Pero por ejemplo estamos muy extrañados que ni los brasileños ni los portugueses se hayan apuntado. También, il faut peut-être leur dire qu'il va y avoir une traduction en portugais. Et toutes ces agapés online ont fait le grand silence. Todos esos agapés online tienen la finalidad de llegar a ese gran silencio. S'achèveront par une rencontre de cœur à cœur avec Bidi le 18 et le 19 mars. Terminarán también el 18 y 19 de marzo con un encuentro con Bidi para los que lo desean de dos días enteros para terminar. C'est un calendrier extrêmement précis durant ce mois de mars. Es un calendario extremadamente preciso durante el mes de marzo que nos llevará a Bidi el 18 y 19, donde será también bilingüe. En espagnol et en français. Aucun de vous ne peut ignorer que nous assistons à une forme d'accélération du dévoilement. Nadie puede ignorar que estamos asistiendo de alguna manera a un aceleramiento de los acontecimientos.
Omram Nikolaï Ivanov nous a prévenu le 29 janvier de cette année. El 29 de enero, Ivanov nos previno ya de ese aceleramiento. Que le mois de février et de mars correspondait à l'événement. Que el mes de febrero y marzo correspondería. Où que vous regardiez. Ahí donde miráramos en este mes de febrero y marzo. Que ce soit les événements déclenchés par les humains. Que sean acontecimientos que sean iniciados por el ser humano. Que ce soit les événements solaires ou géophysiques. O que sean por geofísicos o solares. Nous nous dirigeons vers l'inéluctable à très brève échéance. Nos estamos dirigiendo muy rápidamente hacia un desenlace. Il ne s'agit ni de prophétie ni de prédiction, mais d'un quelque chose qui est réel. Y eso no se trata de una predicción ni una profecía ni nada. Es algo que estáis viviendo realmente. Nous avons créé ces Agapé Online pour justement pour que beaucoup parmi nous puissent se retrouver, si ce n'est pas le cas. Y hemos creado estos Agapé para los que quieran, para crear ese encuentro juntos. Mais aussi pour partager en quelque sorte la bonne nouvelle. Y también para compartir la buena noticia de alguna manera. Et ceci culminera, bien sûr, comme je l'ai dit, après la mi-mars avec Bidi. Y eso terminará todos los agapés con el encuentro de dos días con Bidi, el 18 y 19 de marzo. D'ailleurs, nous avions programmé un seul agapé online hispanophone avec Elisa, qui a déjà eu lieu. Hemos solo programado un solo en hispano hablante que ya tuvo lugar. Et devant le nombre de personnes qui étaient là, je pense que nous en referons un entre le 14 mars et avant midi, le 18-19 mars, si tu en es d'accord, Elisa. Podemos proponer otro para los hispanos que quieren asistir entre el 14 y el 18 de marzo, si yo estoy de acuerdo. Je dirais plus bien si vous êtes d'accord. Voilà, alors maintenant, je ne peux pas parler à votre place. Elisa, bien sûr, était là pour les hispanophones, puisqu'elle traduisait, mais je pense qu'elle peut nous dire elle-même ce qu'elle en a retiré, un peu comme l'a fait Liz Fuentes, un peu comme l'ont fait d'autres frères et sœurs sur Internet. Est-ce que tu peux dire, Elisa, ce que ça t'a procuré, si on peut dire? Él me pregunta si yo he podido, qué he podido yo vivir, ¿no?, durante ese encuentro de 3 horas con el agape. Y yo digo que para mí ha sido maravilloso, igual que a muchas de las que estáis aquí. Está Janoli, está Carmen también que asistió, que puedo recordar. Y bueno, vivimos momentos de encuentros muy especiales que perduran y que sirvieron en ese momento a poder encajar y aceptar mejor pues los acontecimientos que están llegando, ¿no? Que no sabemos dónde encajarlos dentro de nuestros programas, de miedos y todo eso. Ahí nos pudimos todos, el conjunto de todo el grupo, llegar a vivir una aceptación y un encuentro de paz como yo, por ejemplo, fue maravilloso. No sé si alguna aquí en el chat puede dar su... Faut peut-être que tu traduises en français, toi-même. Ah bon, c'est vrai. Eh bien, je disais que, en fait, ce que j'ai vécu, c'était merveilleux, quoi. Et je pense que ceux qui sont dans le chat, il y en a quelques-uns qui ont assisté. Ils sont là. Et tout ça. Mais en fait, c'était quelque chose qui m'a que j'en avais besoin pour justement pouvoir partager, vous écouter à tous et sentir la même chose, que je me sentais comme vous dans ces instants
on parlait de la lisière entre l'être et non-être. Hein, ça, c'était, pour moi, c'était important, parce qu'il y a des fois où on vit tout ça tout seul et on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous arrive. Je pense que ça nous a fait un grand bien à tous de pouvoir partager, parce qu'on peut partager avec tellement peu de gens ce genre de choses, surtout dans la famille. Mais peut-être... Et aussi, vous allez peut-être argumenter en me disant, mais ça concerne quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, je vous répondrai que c'est faux. Y nosotros pensábamos que a lo mejor esos estados solo concernían a algunas centenares de personas, pero es falso. Mucha gente está ahí y el hecho de testimoniarlo entre nosotros nos lleva a poder ver que no es así, que no estamos solos en sentir todo lo que sentimos dentro de este caos que estamos viviendo. Ça concerne l'ensemble de l'humanité et de la création. Porque esto concierne el conjunto de la humanidad y de la creación. Parce que dès qu'il y a un humain qui se retrouve dans l'instant présent, dans le temps zéro, dans l'acceptation totale, à la jonction de l'être. Il y a un humain solo que se encuentre en ese lugar, en ese estado que se llama en francés la lisière, que sería entre el estado... El borde de la entre es ser y no ser. Ça va être rendu accessible même qui ne sont pas informés de cela. Mucha gente lo puede sentir así. Es como un efecto que cuando uno lo siente, un ser humano, miles y miles de personas en el mundo lo van a sentir igual. Voilà, donc le but c'est pas quelque chose qui est destiné à une élite ou à quelques frères et sœurs. Le but est bien plus vaste. Y eso no es algo que está solo destinado a algunos. Esto es mucho más grande, más grandioso, lo que se puede percibir. Parce que si vous, à titre individuel, vous vous alignez dans ce grand silence de l'acceptation, à titre individuel, nos alineamos en ese gran silencio. Vous allez émettre, si je peux dire, à l'infini cette information. Y vamos a emitir esa información al infinito. De l'information de la jonction de l'être et du non-être. De esa información de entre el ser y no ser. Et comme je l'ai toujours dit, de pasar a lo que somos. Comme je l'ai toujours dit, celui qui vit cela y el que vive eso, ne peut plus jamais douter, ne peut plus se poser de questions d'aucune sorte. No puede más dudar ni preguntarse nada. Parce qu'il a compris intimement que tout ce qui se déroule sur la scène de théâtre, avec tous les horreurs, et nous n'avons pas tout vu encore. Et ya podemos comprender que lo que está ocurriendo en la escena del teatro con todos sus horrores, y no hemos visto todavía todo, est un spectacle diabolique qui n'a rien de réel. Un espectáculo totalmente diabólico, pero que no tiene nada de real. C'est-à-dire qu'on vous propose, à vous et à vos proches, même ceux qui ne sont pas informés, comme je disais. Entonces, os proponemos, mismo los que no están informados, de vous installer dans Shantinilaya, dans l'ultime présence. De installaros ahí en Shantinilaya, en la última presencia. Indépendamment de toute notion vibratoire, indépendamment de toute conscience. Y eso es independiente total a cualquier noción de vibraciones. No tiene nada que ver con estados vibratorios. Es diferente. Es estar al borde de lo que eres. Y eso lo podemos ya sentir. Y hemos tenido el testimonio con el grupo que nos hemos reunido de hispanos hace unas cuantas semanas y que ahora vamos a repetirlos con diferentes lugares del mundo. Bien sûr, nous sommes tous promis, même ceux qui n'y croient pas, à cette béatitude finale. Todos nos hemos prometido, sin creérnoslo nosotros mismos, a esa beatitud final. Mais il est question ici d'amortir le choc, non pas pour nous, mais pour l'ensemble de la création.
y tienen también como sentido de amortiguar el choc de toda la humanidad. Et d'ailleurs, ça correspond exactement à ce qu'avaient annoncé les intervenants déjà depuis quelques années. Y eso es lo que estaban anunciando todos los intervenientes ya hace tiempo, cuando estábamos siguiendo los mensajes de AD. Le fait de trouver la vérité, le réel de qui nous sommes. En el hecho de encontrar la verdad de quién somos. Est en train réellement de mettre fin au monde, à tout monde et pas seulement à ce monde. Vous permettant de comprendre en le vivant que la création dans sa totalité. Nos va permitir de comprender que la création en su totalidad. Est quelque chose qui ne fait que passer, qui n'a aucune réalité. Es algo que solo pasa y que no tiene ninguna realidad. Et ceci vous permettra de sortir avec aisance, avec facilité. Y eso nos va permitir de salir con facilidad. De toute notion dite de spiritualité ou. Todas las nociones de espiritualidades. Il n'y a personne et il n'y a nulle part où aller. No hay nadie y no hay nada, no hay nada y ni nada donde ir. Que là où vous êtes dans cet instant présent. Que nada más que dentro de nosotros, en ese instante presente. Que todo ça se passe de mots, ça se passe de perception, ça se passe de l'escroquerie de la conscience. Et eso sobrepasa todo lo que es el engaño de la conciencia. Mais encore une fois, ce n'est que quelque chose que vous pouvez que vivre, que vous ne pouvez pas comprendre. Pero eso es algo nuevamente. Ya sabéis que no podéis comprender. Es algo que solo podéis vivir y sentir. Et quand nous nous souvenons de qui nous sommes réellement. Y cuando nos acordamos de realmente quiénes somos realmente. Au-delà de la conscience, quelle que soit cette conscience. Más allá de la conciencia, cualquier que sea la conciencia. Au-delà des mondes de la forme, hein, quels que soient ces mondes et quelles que soient ces formes, alors vous êtes libre du rêve. Entonces nos liberamos del sueño. Vous êtes libre de l'escroquerie de la conscience et de la création. Y estamos libres de la conciencia y de todo este juego de la creación. C'est la chose la plus importante. Es la cosa la más importante. Que vous puissiez vivre. Que se puede vivir. Ça met fin à toutes les visions. Pone fin a todas las visiones. Ça met fin à toutes les projections. Pone fin a todas las proyecciones. Vous savez, vous avez beaucoup de frères et sœurs qui rêvent encore à un nouveau monde. Hay muchos hermanos que sueñan todavía de un nuevo mundo. Mais objectivement, ce que nous voyons sur Terre actuellement. Pero objetivamente, con lo que se está viendo en el mundo hoy en día. Sont les prémices d'une extinction totale de la forme. Son las primicias de una extinción total. Et tant que vous croyez que plus tard. Ça va être mieux. Creíamos que más tarde. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Nuevas tierras, nuevos cielos. Nouveaux corps. Nuevos cuerpos. Vous vous trompez, vous êtes leurré, vous êtes abusé. Estamos dejando engañar por el personaje. Bidi disait fort justement d'ailleurs. Tiens, j'ai un deuxième micro. Je ne sais pas pourquoi, je viens de retrouver un deuxième micro. Bidi disait fort justement que la recherche de la vérité. Bidi decía que la búsqueda de la verdad allait mettre fin au monde. Pondría fin al mundo del sueño. Le vécu de la vérité. Que vivir lo que es la verdad. Comme nous sommes déjà fort nombreux à le vivre aujourd'hui. Muchos a vivirlo.
va littéralement faire exploser l'escroquerie de la conscience et de la spiritualité et de la forme. Explotar la conciencia de la forma. C'est exactement ce que nous proposons de vivre dans ces agapés online. Y es exactamente lo que os proponemos vivir en esos agapés online. Alors, nous commençons par le Québec, je crois, très bientôt, le 20 février, je crois. Le 20 février, el 20 de febrero. Où nous sommes un peu moins de 100 personnes. Oui, on commence par le Québec, le 20. Et où nous allons nous retrouver dans cet état de, d'alignement particulier. Ahí nos encontraremos en ese estado de alineamiento particular. Simplement par notre présence. Simplemente con nuestra presencia. Par notre accueil et notre acceptation et le fait d'être ensemble. Y nuestro acogimiento y nuestra aceptación. Paradoxalement, c'est comme nous, quand nous sommes réunis de manière virtuelle. Y paralelamente cuando nos reunimos de manera virtual, que nous découvrons le réel et le vivons. Es cuando descubrimos lo real y lo vivimos. C'est quelque chose qui se vit, j'ai pas de mots, j'ai pas d'explication, on n'est pas dans les vibrations là. Es algo que se vive y no hay palabra ni explicación, se vive simplemente. Aucun mot, aucun discours ne peut approcher le réel. No hay ninguna palabra que pueda aproximarse a lo real. Mais votre présence, votre accueil, pero vuestra presencia y vuestro acogimiento, l'écoute de l'autre, el escuchar el otro, nous met à l'écoute du réel. Nos pone en cerca de lo real. Al escuchar. Alors moi, je n'ai pas accès au chat, mais Elisa, je vois qu'elle lit le chat. Vous avez des Espagnols qui sont là, qui ont assisté au premier agapé. Si hay et qui témoignent de ça. Hay algunos que están aquí en el chat que han estado en ese agapé. La grande différence, c'est que là, à l'écran, vous avez Elisa et Jean-Luc. Alors, ici, Joanne aujourd'hui, dit que les Québécois, ce n'est pas des Canadiens. Alors, je m'excuse parce qu'on parle de Québécois, pas de Canadiens. Ce n'est pas la même chose. Pas tout à fait. Pas vraiment. Pour moi, alors, vous m'excusez, c'est moi qui ai peut-être mis, je n'ai pas su le dire. OK, Joanne? Donc, les Québécois, ce n'est pas des Canadiens. OK. Il ne faut surtout pas dire ça, ils vont être pas contents là. Parce que, je sais pas, moi c'était Canada, mais en fait, c'est peut-être. Le Québec dire. Fait partie malheureusement du Canada, on peut dire ça comme ça. Ok. Après, il y a Miguel Angel qui dit qu'il perçoit que les événements s'accélèrent. Il n'y a pas besoin d'être divin pour le voir, n'est-ce pas? No hay que ser adivino para ver que es así. Je ne vais pas vous dresser le tableau de tout ce qui se passe sur Terre. No os voy a poner un esquema de lo que está pasando en la Tierra. Le pôle Nord a presque atteint les 40 degrés, c'est-à-dire le point de bascule, ce qu'on appelle le pôle shift. Sin querer ser pessimistas, pero ya hemos llegado casi a los 40. Les poussières. Bueno, eso que no sé cómo se dice esa palabra en español, pero quiere decir de inclinación en realidad. Estamos ya a 40 casi, entonces es bueno. Eso es. Les 40 degrés seront atteints entre fin mars, début avril. C'est très proche. 40 serán entre finales de marzo y principios de abril. Eso estamos cerquita, ¿no? Que lleguemos a los 40. Que lo queremos ignorar o no, que eso lo veamos como catastrófico. Bueno. Les poussières de Nibiru, vous le voyez tous les soirs avec les ciels rouges incroyables que nous avons partout sur Terre.
virus está viendo con esos cielos rojos que tenemos en muchas partes del mundo. Objectivement, nous sommes au seuil de l'annihilation totale de l'humanité par la Troisième Guerre mondiale et les missiles nucléaires. C'est une réalité aussi. También estamos al borde de una tercera guerra mundial, que lo queramos o no. Le séisme en Turquie, qu'il soit naturel ou artificiel. El séisme de Turquía, que sea de man hecho por el hombre o no, o sea natural o artificial. Et le dernier événement avant la rupture de New Madrid, de la faille de New Madrid. Digamos que ha roto las placas antes de que Nueva Madrid se le rompa. Et si ça ne suffisait pas, si cela ne suffisait pas, je vous rappelle que nous avons eu un holocauste lié à... Si por eso no faltaba, hemos tenido también un holocauste. Au mot que nous n'avons pas le droit de prononcer sur YouTube, sous peine de censure. No vamos a pronunciar la palabra, sino nos van a censurar. Et que depuis le début de cette année 2023, que desde el principio de l'año 2023, les trains déraillent de partout. Los trenes están descarrilando por todos lados. Les usines alimentaires et les usines de polychlorure de vinyle explosent de partout sur la planète. Parece que esos productos tóxicos están explotando por todo el planeta. Et donc la contamination de l'air et puis très vite des sols dès les premières pluies de tout l'hémisphère nord est enclenchée. Y la contaminación del aire pues va de camino también. Alors bien sûr, du point de vue de la personne, c'est horrible ce que je dis. Claro, del punto de vista, lo que estamos hablando para el personaje es horrible todo. Que vous ne soyez pas d'accord n'a aucune importance parce que là nous sommes dans des événements qui se produisent réellement. No tiene nada, no es importante. Pero lo que estamos hablando es de una realidad que está ocurriendo. Donc ce qui est horrible du point de vue de la personne. Lo que es horrible del punto de vista del personaje. Du point de vue du réel, c'est une grande joie. Pero sin embargo. Para lo que eres de verdad es una gran alegría, porque si esto es un sueño y una pesadilla, vamos a despertar del sueño. No pasa nada. Il n'y a aucune destruction au sens où la personne pourrait l'entendre. No hay ninguna destrucción en lo que la persona. C'est uniquement ce que je dis depuis des années qui est en train de se produire. Lo que ya llevo diciendo hace muchos años que estamos llegando ya a ese cambio final. Comme l'a dit et répété Omran Mikhaïl Ivanov. Comme lo dijo Omran Ivanov. Tout ça va finir par un grand éclat de rire. Todos terminaremos con un estallido de risa. Quoi que vous en pensiez encore avec votre cerveau aujourd'hui, ou quoi que vous en pensiez avec vos perceptions dites spirituelles, vibratoires ou énergétiques. Y cualquier cosa que podáis pensar con vuestras percepciones dichas espirituales o energéticas. Même si aujourd'hui, et je le comprends que... certains d'entre vous sont dans la terreur, dans l'interrogation ou dans l'espoir d'un nouveau monde. Hay algunos que están ahora con mucho miedo que pasen cosas, otros están con la ilusión de un nuevo mundo. Je dirais simplement que vous êtes au seuil de vous-même. Pero realmente ni el uno ni el otro estamos realmente al borde de ser lo que somos. Y eso es a donde hay que estar ahora. No distraernos con el miedo ni con nada, sino es el momento de ver quién somos y lo que somos. Y ahí estamos viendo. Je le redis avec fermeté aujourd'hui parce que c'est tellement immédiat ce qui arrive.
Y lo digo con firmeza porque ya es tan inmediato lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo. Je ne peux pas vous convaincre de quoi que ce soit, et ce n'est pas mon but d'ailleurs. No puedo convencer de nada. Mais vous avez tous, nous avons tous la même possibilité. Pero todos tenemos las mismas posibilidades de despertar. Accepter toutes les horreurs qui sont en train de se révéler. Il y a Suzy qui dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réveiller d'une manière plus douce? Comprenez bien qu'il n'est pas question de consentir et de donner son agrément quand je parle d'acceptation. Je crois que no se trata de dar nuestro consentimiento cuando digamos que vamos a aceptarlo. L'acceptation va simplement vous permettre de traverser ce cauchemar. L'acceptation va simplemente hacer que podáis atravesar toda esta pesadilla. De comprendre que le temps et l'espace n'existent pas réellement et concrètement. Y que el espacio no existe realmente y concretamente. Que vous n'êtes jamais né, que vous n'êtes jamais mort. Que nunca habéis nacido y que nunca vais a morir. Quand je dis ça et j'insiste, ce n'est pas des concepts, ce n'est pas des idées, c'est un vécu. Conceptos, no son ideas, no son creencias. Es la realidad que, no, que nos cuesta admitir. Et j'ai une question de Suzy qui nous dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réveiller d'une manière plus douce? Non, c'est impossible. Impossible. Es imposible. C'est impossible pour une raison qui est très simple. Por una razón que es muy simple. Celui qui rêve ne veut pas arrêter de rêver. Porque el que sueña nunca querrá parar de soñar. Que ce soit un archange, un archonte, la source. Que vea un arcángel, la fuente o cualquier que sea un ángel. Il n'y a qu'en voyant l'extinction totale du rêve de la création, en le vivant. Será viendo la extinción total de la creación. Que nous sommes libres. Que se podrás abrirte a lo que libre de l'idée d'être une personne, bien sûr. Te podrás liberar de la idea de ser un personaje. Libre de l'idée d'un nouveau monde. Libre de la idea, libre de la idea de creer en un nuevo mundo. Libre de l'idée de d'une nouvelle création ou d'un nouveau cycle. O creer que va a empezar un nuevo ciclo. Tout ça, c'est, comme on dit en français, du pipeau. C'est un mensonge. Esos son cuentos. Todo eso son cuentos que nuestro personaje necesita para poder llevar. Je n'ai aucun argument pour apporter cette démonstration. No tengo ningún argumento para poder demostrarlo. Mais vous pouvez vous le démontrer aujourd'hui très facilement. Pero lo podéis demostrar a vosotros mismos de manera muy fácil. Nous sommes nombreux dans le domaine dit spirituel. Somos ya muchos en el mundo dicho espiritual. À avoir peur de la mort. Elisa ne pourra pas me contredire puisqu'elle connaît très bien ça. De tener miedo a la muerte yo misma. Me ha ocurrido, me ocurre a veces cuando me meto en el personaje, de tener miedo a la muerte. Mais vous ne pouvez pas mourir. Pero no podemos morir. À vous de vivre, c'est très simple. Ceci dit, je veux un autre cycle de réincarnation, s'il te plaît. Alors, la réincarnation appartient au karma, c'est-à-dire au monde de ce qu'on appelle les seigneurs du karma. La réincarnation pertenece a los señores del karma. Le karma et la réincarnation sont une illusion qui concerne la personne et l'âme. La réincarnation concerne l'âme et est autre illusion. Je répète, vous n'êtes jamais né. Pero repito, nunca habéis nacido. Il n'est pas question de réincarnation, c'est stupide. No es cuestión ahora de reencarnación. Vous êtes déjà. Vous êtes déjà parfait. Sois perfecto ya. ¿Por qué queremos otro ciclo más de reencarnación si ya somos perfectos? C'est ça le mensonge cosmique. Eso es la mentira cósmica. C'est le mensonge cosmique qui nous a fait adhérer
des choses complètement fausses. Eso os hace adherir a cosas totalmente falsas. Y a un qui demande, est-ce que vous lisez le chat de Ayun aussi? Jean-Luc n'a pas de chat. Je ne sais pas si on a bien fait. Bon, en tous les cas, lui, il n'a pas le chat. Non, je n'ai pas accès. Moi, je suis sur un autre serveur pour nous permettre d'être tous les deux sur YouTube. Alors, donc, il n'a pas assez. Mais encore une fois, je ne cherche pas je ne cherche pas à argumenter, je ne cherche pas à discuter. Mais je ne suis pas en train de discuter ni argumenter. Oui, mais je vais faire une petite incision. Présenter au public en direct Nisargadatta comme ça, parce que attends, Milly, c'est... Excusez-moi, présenter... j'ai rien... Non, tu m'écoutes? Oui, mais j'ai rien compris. Si tu présentes directement dans ce canal la vérité telle que tu la présentes, c'est très difficile pour le personnage de l'accepter. C'est impossible. Le personnage ne pourra jamais l'accepter. C'est ça que vous ne comprenez pas. L'âme ne pourra jamais l'accepter. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas d'univers. A Jean-Luc et présenter directement à Billy, à un public ouvert qui est dans ce canal, c'est très difficile d'intégrer. Je répète. Il répète que ça nunca le va pouvoir accepter. Nunca. Nunca. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas l'accepter. Hasta que no lo podáis vivir, no lo vais aceptar. Por eso, la pregunta antes de algo suave no es posible. Solo llevando al extremo podréis vivir lo real, que no hay muerte y no hay reencarnación. Et je vous assure que les événements qui sont en train de se dérouler, y os digo que los acontecimientos que se están viviendo ahora mismo, et encore, je n'ai pas tout évoqué parce que je ne veux pas vous faire faire des cauchemars cette nuit. No he evocado nada, gran cosa, de lo que está ocurriendo para no dejaros dormir tranquilo esta noche. Dans leur côté, je dirais, macabre et morbide, vont vous réveiller ce cauchemar. Sobre las partes más de pesadilla y macabricas de lo que pasa en el mundo. Aucun de nous ne peut fuir ce qui est en train de se passer. Aucun. Nadie va poder huir de lo que está pasando y lo que va a pasar. Et nadie. Vous allez tous vivre, même si aujourd'hui vous êtes en colère à travers ce que je dis, vous allez tous vivre. Ahora estaréis enfadados de lo que estoy diciendo, coléricos y enfadados conmigo de lo que estoy diciendo, pero todos lo vais a vivir. Que vous n'êtes jamais né, que vous n'êtes jamais mort. Nacido y que nunca vais a morir. Et que toutes les perceptions, toutes les visions, toutes les vibrations, todas las percepciones y las visiones sont un mensonge total. Son una mentira total. Vous êtes déjà parfait. Sois perfecto ya. Mais je ne parle pas de votre personnage qui n'existe pas. Y no hablo de vuestro personaje que no existe. Je ne parle pas de ce monde qui n'existe que dans un rêve macabre. No hablo de vuestro personaje que solo existe en un sueño macabro. Mais je parle de qui vous êtes fondamentalement. Pero hablo de lo que soy realmente y fundamentalmente, de lo que sois. Por eso es el momento ahora de haceros la pregunta, ¿quién soy? Vous l'avez simplement oublié. Lo hemos simplemente olvidado. Y eso es una gran verdad. Que à travers de lo que va a ocurrir, vamos a tener todos que llegar. Tout ce que vous avez à faire, si je peux dire. Todo lo que nos queda que hacer, si lo puedo decir de alguna manera. C'est être ce que vous êtes. Es ser lo que sois. Et c'est ce que nous proposons dans ces Agapé Online et aussi, bien sûr, dans Bidi qui vient fermer le livre, comme je l'ai fermé moi-même en 2019. Eso es lo que vamos a proponer con estos encuentros más íntimos de los Agape Online. Y también con el cierre luego de Bidi 18 y 19. Ce que je vous annonce aujourd'hui est une grande joie. Lo que os anuncio hoy es una gran alegría.
Raymond de La Rochelle, tu m'entends? Oui. Elle dit, notre mental ne peut pas vraiment le comprendre. C'est impossible. En live de juillet dernier au Québec, j'ai senti cette absolue présence éternelle. C'était magnifique. C'est magnifique. Aucune expérience spirituelle, aucune projection de conscience, aucune forme ne peut toucher ce réel. Répète, j'étais en train de lire. J'étais en train de lire, j'ai pas écouté. Excuse-moi, c'est vrai qu'il y a des Espagnols. Je te laisse traduire Raymond alors, et je reformulerai la réponse après. Nuestro mental no quiere comprender, pero cuando hicimos en online en el mes de julio en Quebec, yo he sentido esa absoluta presencia eterna en mí y era magnífico. Oui, et je concluais en disant, même si aujourd'hui, peut-être certains parmi vous qui écoutent me maudissent, me traitent de fou, peu importe. Si alguno de vosotros que estáis escuchando me decís que estoy loco, y me a, parce que vous l'avez entendu. Me odiais, pero da igual, lo habéis escuchado. Vous l'avez entendu, et au moment où se produira la révélation finale. Cuando se reproduzca esa revelación final, vous vous rappellerez de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous louper. Entonces os recordaréis quiénes sois, porque no podéis perderos. Bien sûr, là, je n'ai pas le temps de développer, mais nous avons souvent dit que nous étions le cœur et le centre de la création. Sui Lam dit qu'il y aura des arrangements pour les inscriptions online. Mais ça, tu te mets en rapport avec moi, c'est moi qui organise le stage. Alors tu fais un courrier. J'ai délégué l'organisation totale à Elisa parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en état d'organiser des choses aussi concrètes. Par contre, je veux bien participer même à des centaines d'heures de présence. Ça m'est possible. Sans aucune fatigue. Jean-Luc me a propuesto y he aceptado de organizar todos estos encuentros. Entonces, localizarme a través de mi correo electrónico o de mi WhatsApp. Localizarme yo, si Jean-Luc m'a proposé d'organiser donc ça et j'ai accepté, donc vous pouvez me joindre à moi pour que je puisse donc gérer tout ce que vous avez comme doute, réponses, questions et tout ça. Et dans les rencontres d'ailleurs pour le Québec, pour le nord de la France, sud de la France, Belgique, les autres pays, Elisa sera là en tant qu'animateur pour que moi je sois disponible uniquement pour vous. Elle ne traduira pas, bien sûr. Je vais être présente en todos, aunque no se tenga que traducir, para poder hacer de intermedio con él y que Jean-Luc esté préparé pour pouvoir intercambier directement avec tous vous. Je ne peux pas le faire tout seul, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne la parole puisque nous sommes sur Zoom, donc il faut donner la parole à l'écran à celui qui veut parler et je ne peux pas gérer toutes ces personnes en même temps. Entonces, localizarme a mí y yo os explico todo a través, sea de mi WhatsApp, que lo tenéis aquí debajo de mi canal, que es lo más fácil, o a mi correo electrónico, también lo está aquí. Y yo alors, avez-vous besoin d'autres explications? Il nous reste un peu plus de 10 minutes concernant aussi bien les Agapé Online que le cœur à cœur de Bidi. Comment? Sur le chat, s'il y a des questions, si tu vois passer des questions. Jean, il y a une question. Toutes les personnes qui se sont mis le pic-pic dans le bras vont-ils mourir? Mais nous allons tous mourir, nous ne sommes jamais nés. Nous allons mourir à l'illusion. Vous espérez quoi? Survivre à un pole shift? Vous espérez survivre? Attends doucement. Pero si todos vamos a morir a esta ilusión, que queráis,
sobrevivir a esta ilusión después de todo lo que va a ocurrir en el mundo? Vous voulez survivre au processus qui est en cours avec le polychlorure de vinyle et les dioxines qui ont diffusé dans tout l'hémisphère nord? Dans 2 mois, tous les sols sont contaminés. Vaccin ou pas vaccin? En el espacio ya el veneno eso nos va a hacer sacar de la ilusión. Je dis ça avec beaucoup d'humour. Entonces, ya no solo los pic-pic. Todos. Bien sûr que vous allez tous. Todos estamos réveillés. No hemos Miguel Ángel. A ver, tú hablas del personaje, pero yo creo que ya tenemos que ver un peldaño un poquito más arriba. Yo creo que lo que estamos presentando hoy aquí en directo es ir un poquito más lejos. Hemos llegado al encuentro, a la pregunta de quiénes somos y de dejar de lado el personaje y poder Alors, ver quiénes somos. Sans même parler de Nibirus, nous parlons uniquement de ce qui est déjà là sur Terre, présent. Sin hablar siquiera de la llegada de Nibiru, con todo lo que nos espera aquí en la Tierra. Vous avez la bascule, pole shift, basculement des pôles physiques. El cambio de polos físicos, que hemos dicho que íbamos a 40. La Tierra va a dar la vuelta. Eso ha ocurrido ya. Tenemos Vous avez la rupture de New Madrid. Vous avez la rupture de la faille de New Madrid. No sé. Vous avez les explosions qui ont été déclenchées depuis une semaine, ça n'arrête pas, où toutes les usines qui se fabriquent. Les explosions qui sont ocurriendo ahora mismo, todas las semanas. Renseignez-vous. Les produits toxiques qui se repartent par l'air. Rien que dans les dernières 24 heures. Lo objectivement. Lo que ha ocurrido estas 24 horas. Ont explosé des usines de polychlorure de vinyle en Hollande, en Chine. Han ocurrido esas explosiones en Holanda, en China, repartiendo ese producto peligroso que ya sabéis todos. Porque en Floride. En Florida también. Todo dans l'Ohio. Dans l'Ohio. En l'Ohio también ha ocurrido, fue el primero. En Arizona. Entonces, esa pregunta, ¿qué importancia tiene hoy? Creo que nos hace pensar que queremos hacer explosar todas las usinas. No vamos a morir porque nunca hemos nacido. Ce n'est pas une mort, c'est un réveil. Es vamos a despertar. Vous ne pouvez pas le comprendre. Si, ce que vous pouvez comprendre, c'est ce que je vous dis sur... Pero no se puede vivir. Ce qui se passe sur Terre actuellement avec estos encuentros para arrimaros un poquito a lo que sois y lo podéis sentir, ¿no? Cuando estáis en el borde del ser y del no ser, esa paz, esa aceptación que ya te da igual que explote tu casa, porque te vas a despertar. Vous voyez, Elisa l'exprime aussi bien que moi. Non, j'essaie de leur dire la même chose. Mais j'ai dit la même chose. Oui, oui, j'ai compris. N'oublie pas que je comprends un peu l'espagnol maintenant. Voilà, donc, ce qui vous semble un cauchemar terrible, peut-être pour beaucoup encore. Tremenda. Vous allez rire de vous-même. Os vais a reír luego cuando despertéis. Como dijo Oma, esto termina en una gran carcajada de risa. Parce qu'il y a une grande joie. Quiero confiar en lo que sois. Quand vous n'êtes plus assujetti à la conscience, à une forme, à une identité ou à un monde. Cuando no estamos sujetos a una forma, a una conciencia. Je répète, vous ne devez pas me croire. Par contre, vous pouvez le vivre. No tenéis que creerme, solo tenéis que vivirlo. Con todo lo que se avecina, lo vais a vivir sí o sí. Abandonnez toute prétention à quoi que ce soit pour demain. Abandonar toda cualquier pretensión para el día de mañana.
Prepararos al encuentro con vosotros mismos. Vivez ce que la vie vous demande de vivre et c'est tout. Vivir lo que la vida os pide ahora y ya está. Marie Carmen elle demande en français combien de temps avant le grand réveil. Mais nous sommes dans les jours qui viennent. ¿Cuánto tiempo queda para el gran despertar? Y lo estoy repitiendo, lo estoy diciendo. Je viens de vous dire que le basculement des pôles sera fin mars, début avril. Vous imprimez ou pas? El cambio de polos está previsto, pero no porque yo me lo invente, sino que pasa a 40. La totalité de l'hémisphère nord est contaminée par les dioxines. Vous savez ce que c'est que la dioxine ou pas? La Tierra va dar la vuelta y el planeta está siendo contaminado con esos gases de esas explosiones que están habiendo ahora en todo el mundo. Arrêtez de rêver, arrêtez de projeter. A parar ya de proyectar. Ha llegado el momento en que seamos tan claros. Lise Savard, elle dit, lorsque tu mentionnes que nous pouvons adoucir, cela correspond à quel niveau, Jean-Luc? J'ai pas compris. Excuse-moi, il y a eu cette image. Lorsque tu mentionnes que nous pouvons adoucir, cela correspond à quel niveau? Mais il n'y a pas de niveau. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de niveau. Il n'y a rien, il n'y a personne. Pourquoi non, vous voulez imaginez encore un niveau, c'est une hérésie. Il n'y a rien. Vous n'êtes jamais né. Que podemos hacerlo más suave a quel niveau corresponde, le pregunta Liz. Y Jolie dice que eso no lo ha dicho. No hay niveles. Il n'y a rien d'autre que vous. Lo Tous único les que autres hay sont vous. Vosotros mismos. Es que nunca hemos sido tan claros de decir que somos mucho más que todo esto. Quand on dit que c'est une scène de théâtre, mais qu'en fait il n'y a pas de théâtre, c'est la stricte vérité, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est un vécu, vous allez tous le vivre. Lo vais a vivir todos, no proyectar. La peur ne vous sert à rien. Est-ce que nous aurons droit à avoir accès pour réécouter l'AKP online que nous nous sommes inscrits? Est-ce que podremos réécouter luego el AKP que vamos a vivir? Oui. Joan, si lo vais a poder réécouter, si luego tendré que batallar con vosotros para que me deis, bon, je vais le dire en français aussi, para que me deis un correo de vuestro cuenta de YouTube para que os mande y lo podáis abrir. Por eso yo me voy a encargar de todo eso. Para algunos, pues no va a ser tarea fácil. Joan, oui, vous pouvez le réécouter. Après, on vous l'enverra et si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, je vous dirai comment faire pour pouvoir le réécouter, ok? Vous devez avoir le contact avec moi. Et moi et Miguel, on vous arrangera le problème de pouvoir le réécouter. Et puis si on a la chance de dépasser fin mars, parce que c'est vrai que pour le cœur à cœur avec Bizi, ben, on est presque complet, parce que c'est évident qu'on ne peut pas être plus d'une centaine, hein, c'est déjà énorme. Et bien si on est encore là, on en fera un deuxième la semaine d'après. Il n'y a pas de souci. El 18 y 19, vamos a hacer un encuentro con Bidi, que Bidi es mi sargarata, ya lo conocéis. Ce que j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Entonces, ahí estaremos dos días juntos y Bidi nos hablará. Ce qui arrive est inéluctable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Entonces. Et puis surtout, je vais dire une dernière chose. Si podemos llegar a esa fecha sin que los medios de comunicación se rompan. Si el caso es que vamos otra vez, ahí pues podremos igual hacer uno más adelante para la gente que quiera asistir y que se quede fuera. Arrêtez d'écouter les frères et les sœurs qui vous racontent des histoires. Parar de escuchar a la gente que os cuenta bobadas. Il n'y a plus d'histoire. Ya no hay más historia.
Ne vous enfuyez pas, vous êtes là où vous êtes. Vous n'avez rien à craindre. Il y a Angeles qui dit, vous écoutez maintenant parler, je retrouve cette paix. Bien sûr. En présent. Bien sûr. Alors, attends, il y a une autre question. Parce que là, j'ai quand même pas mal de chat. Entonces, vamos a estar alegres y comernos un dulce. Marie appelle, dit alors, nous allons être heureux et nous allons manger des gâteaux. Il n'y aura plus rien à bouffer, ça ne veut rien dire. No quiere decir nada, Marie. Yo creo que no estás entendiendo. Ah si, il y aura des insectes à manger bourrés de graphène. Mais ça, c'est dans leurs rêves, dans leurs cauchemars. Bueno, digamos que no es así, no va a haber de comer. Estamos hablando de la muerte del personaje y la resurrección de lo que eres, o el despertar de lo que eres. Certains d'entre nous qui le vivent. Es de lo que eres. Tu personaje no es nada. Soyez simplement présent à vous-même, ne demandez rien, n'attendez rien, ne projetez rien, soyez disponible là. Lise, Jean-Luc n'a pas dit d'adoucir, il a dit de le traverser. Oui. Il va le traverser, pas de l'adoucir. Comment? Parce qu'elle dit que tu as dit que nous pouvions l'adoucir. Mais tu n'as pas dit ça, tu as dit qu'on allait le traverser, qu'on pouvait le traverser. Mais la traversée est liée à l'acceptation. Si vous acceptez l'inacceptable, l'horreur pour le personnage, l'inacceptable et l'horreur, alors vous êtes libre. C'est juste derrière. Je l'ai dit, répété, ça a été répété des dizaines, des centaines de fois. Vous avez maintenant l'occasion de le vérifier. Vous n'avez pas besoin de vibration, vous n'avez pas besoin d'histoire, vous n'avez pas besoin d'énergie, vous n'avez pas besoin de rêver. No necesitáis nada, ni sueño, ni energía, ni vibraciones. Es realmente llegar, atravesarlo, aceptarlo. Y eso os va a conducir a lo que sois. Cuando llegue el momento. Plus vous résistez. Que el momento va a depender no de lo que él diga, ni las predicciones, sino de los acontecimientos que estáis viendo fuera, que podéis todos ver y seguir. Es un invento. Je vais me mettre très violent. Si vous résistez, si os resistís, si vous vous projetez, si os proyectáis, vous allez souffrir. Vais a sufrir mucho. Mais cette souffrance elle-même vous amènera à vous-même, que vous le vouliez ou pas. Pero ese sufrimiento os va a llevar a vosotros mismos, que lo queráis o no. Placez-vous dans le cœur du cœur, ne demandez rien, soyez présent à vous-même. Corazón del corazón, no pedir nada. Soyez présent à ce que la vie vous offre ou vous retire en ce moment. C'est tout, il n'y a rien à faire. No hay nada que hacer. Alors, ceci dit, alors enfin se résoudra la grande question de ce que nous sommes. Exactement. Exactement, le souci. Bien sûr. Se résolvera, claro. Demandez à tous les frères et sœurs qui le vivent déjà, c'est tellement évident. Mais bien sûr, la personne ne peut pas voir l'évidence. La persona no puede ver esa evidencia. L'âme encore moins. Y el alma menos todavía. Et tous les conditionnements que nous avons subis ou adoptés. Y todos los condicionamientos que hemos adoptado sont autant de résistances au réel. Son resistencias a ver lo real que somos. Raymond dit mourir avant de mourir, libérateur. Oui, c'est là que vous allez comprendre que vous n'êtes jamais mort et que vous n'êtes jamais né. C'est pas encore un. Morir antes de morir es liberación. Ce n'est pas un jeu de mots, hein, c'est exactement ça. No vamos a morir, vamos a despertar. Tout le reste, c'est du cinéma. El resto son películas. Vous avez encore des frères et des sœurs, bon, je ne vais pas les nommer, je ne veux pas
accusés ou pointés du doigt, qui sont encore en train de vous raconter des histoires. Hay gente que todavía va por ahí contando cuentos. Abba l'a dit dans une canalisation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et si vous voulez, si nous en avons le temps, mais ça sera adapté au jour le jour maintenant. Y si queréis, ya nos vamos a adaptar al día a día. Es decir, no vamos a proyectar más. Si nous sommes là en avril, en mai, ben nous continuerons sur la même lancée. Il n'y a rien d'autre à faire. Y aquí, si vamos a esperar los acontecimientos. Si estamos todavía aquí en abril, pues ya continuaremos viendo con lo, al día a día los acontecimientos. ¿A dónde, en qué estado estaremos en ese momento? Je ne peux que vous annoncer la bonne nouvelle. Yo lo único que vengo aquí no es a cabrear, sino a anunciar. Même si pour beaucoup, même si pour beaucoup, je suis encore un oiseau de mauvais augure parce que vous ne vivez pas simplement. Si para algunos soy un pájaro de mal agüero, como se diga, es porque todavía no lo estáis viviendo ni lo podéis vislumbrar. Estáis apegados a vuestro personaje. Mais vous le sentez bien, ceux qui écoutent, même si je ne vous ai pas à l'écran, que ce qui est en train de se passer en vous, non? Pero no sentís el mismo escuchando. No podéis conectar con lo que sois. No os da esa paz. Je dis, enfin dans le réel, au-delà de la forme, dans une joie et une paix profonde. En fin, el real, más allá de la forma, en una alegría y una paz profunda. Exactamente, soi. Eso es. Est-ce que ça quoi, Elisa? Les derniers mots, est-ce que ça? Non. Elle s'appelle Sué l'âme, la personne. Oui. Elle dit, enfin, dans le réel, au-delà de la forme, dans une joie et une paix profonde. Exact, il n'y a plus que ça. Et ça, c'est... Et surtout, vous savez, quand vous le vivez, que vous êtes ça et que tout le reste est faux. Tout le reste, sans aucune exception. Mais faut-il encore le vivre? Allô? T'es figé là, apparemment, Elisa. Allô? Ah, on a perdu Elisa, apparemment. Ah, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si vous m'entendez, mais Elisa, en tout cas, sur mon écran, est totalement fixe. Attendez, je vais essayer de joindre Elisa pour savoir ce qui se passe. On va voir si elle répond. Ah, je crois que je suis tout seul là. Ça y est, c'est fini. Jean-Luc ? Oui. Non, c'est on nous a coupé. Ah. Je suis dans le noir, je vois rien. Je bon. Peux même pas. Bon, de toute façon, on a fait une heure, donc là c'est bon. Ouais, mais on nous a coupé, c'est quand même marrant parce que. Tout est noir, je vois rien du tout. Mais je crois que la lumière est partie dans tout Benalmádena. On voit rien. Ah, il n'y a plus de courant. Je suis dans le noir absolu. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, vous avez plus de courant, carrément. Non, mais dans tout, dans tout, on est dans le noir, moi je vois rien du tout. Ah, carrément. Et pourtant, l'antenne marche. La 5G marche puisque tu me captes au téléphone. Bah, de toute façon, on a fait une heure, hein, donc c'est l'heure d'arrêter. Oui, mais on n'a pas pu faire mieux. Tout a été coupé. Tout le quartier a été coupé. C'est dingue. Bon, bah écoute, moi, on raccroche. Crois qu'ils t'en fait exprès, hein. Ouais, j'espère que ça va passer sur YouTube, que ça ne va pas couper l'enregistrement sur YouTube. Enfin, écoute, tu me tiens au courant, hein. Donc, je raccroche. Attends. De StreamYard. Ok. Attends, je vais allumer. Voir si je peux. Maintenant la lumière est revenue, je vais voir si on peut récupérer tout ça. Donc ça y est, la gravation.
Écoute, Jean-Luc, mon truc est en train de se réinitier. Alors, je vais voir ce qui s'est passé. OK. En tous les cas, les gens qui étaient en direct, ils étaient en direct. Moi, je crois que ça se conserve, non? Puisqu'on était en direct. Oui, Mais oui. ça s'en va de nouveau. Moi, Non, c'est non, écoute. écrit sur le De nouveau, StreamYard. non, non. Écoute, non, 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 c'est de nouveau la lumière. C'est dehors. Même les panneaux dehors, il y a un problème d'électricité dans le coin. OK. Bon, écoute, on a fait l'heure. Maintenant, quand ça reviendra, je vais aller voir sur YouTube tout de suite s'il y a quelque chose ou pas. Mais je sais qu'il y avait Louis Giry qui enregistrait aussi, hein, de son côté, donc on n'a rien perdu. Moi, je vais voir parce que je veux pas tomber, c'est tellement noir. Ben, reste tranquille. Alors, bon, je vais rester assise parce que je vois rien Oui, du tout. attends. Tout est noir dehors, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le faire exprès parce que c'est aussi fort. Imagine-toi, Jean-Luc, une chose que je voulais te dire. Ouais. Ce que tu viens de dire, on l'a dit toujours en petit comité. Les gens qui te suivent, les gens Oui, qui me suivent, oui, on n'a jamais fait un direct comme ça. Bien sûr. C'est fou. Bien sûr. C'est fou. Et moi, je suis maintenant dans le monde de la spiritualité parce que ben, les enfants, ils sont en train de faire des trucs, mais c'est pas du tout ça, hein. C'est Ils pas sont pas grave. là, hein. Ils sont encore dans C'est pas grave, ben, c'est dans pas la grave, Elisa. Kundalini, Bah, dans tout le écoute, patatin. mais c'est Et ça, normal. c'est toi qui le dis. C'est Nisargadatta, c'est quatre fous. On Oui, en est là, hein. je sais. Alors, tu le dis en direct maintenant. Enciende l'ordinateur, a ver si se puede encender. Dire qu'apparaît l'or. En tout cas, moi, c'est toujours en train d'enregistrer sur StreamYard, hein. Je suis toujours à l'écran, tout seul, et il y a écrit en direct 1h11. Il fonctionne? Moi, oui, je suis toujours en direct. Ah, tu es encore? Attends, mais moi, j'ai encore l'ordinateur qui se rallume parce que ça a replongé de nouveau. Attends, allume voir parce que peut-être les gens y sont encore. Je sais pas. En tout cas, moi, ça écrit que c'est en train d'enregistrer en direct. Attends, remets l'esprit parce qu'il dit que lui, il est encore en Ah oui, moi, direct. ça écrit que c'est en train d'enregistrer, que je suis en direct. Alors, peut-être Moi, que c'est par faux. contre, j'ai pas. C'est peut-être moi qui suis partie seulement. Non, mais ben non. Tu vois? S'il y a une coupure de courant dans tout Ben Almadena, tu vois des lumières à Malaga ou pas? Non, je veux pas regarder. Ah ben Non, non, mais mais demande dehors, à je peux pas. Miguel. Je suis. Il... Rentre. Et je suis en train d'essayer de rentrer dans le studio, mais. Bon Attends. alors. On a fait Alors, sauter le attends. courant. Écoute donc. Tu es là Ah encore? oui, moi je suis là. Alors, attends. Attends. Oui, Encore? je suis là, c'est en train d'enregistrer depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tout le monde qui s'est. Attends, je raccroche le téléphone. Voilà. Bon, alors je raccroche. No sabemos qué ha pasado. Se ha quedado toda la zona negra. On a tout fait sauter. Entonces, no sé, no sé. Voilà, Bon, estamos otra écoute. vez. Nos vamos a poder despedir porque ya ha Ça pasado ahora. a sauté juste au bout d'une heure. On devait rester 1 heure. Au bout d'une heure, ça a coupé. Al cabo, pues han saltado, no sé lo que ha saltado. Todo el barrio ha saltado, todo estaba negro. Entonces no lo sé. Pero Bon. bueno, estamos otra vez aquí. Bah, je Bien. pense qu'on a dû perdre tous les auditeurs. Là, on peut raccrocher vraiment maintenant. Ben nous, on a encore du monde. Ah bon? Voilà. Alors, tout le monde rigole. Bueno, C'est la meilleure, celle-là. Voilà, on va pouvoir se dire au revoir. Oui, alors merci aux auditeurs. Entonces, los que queráis,
asistir a esos agapes programados, que me lo digan a través de correo o de lo que quieran asistir al final del baile, que serán 2 días, el 18 y 19, que también se pongan en contacto conmigo. Alors donc, les gens qui sont intéressés pour les agapés qu'on a programmés durant tout le mois de mars, Oui. eh ben, ils se mettent en contact avec moi, soit par WhatsApp, soit par mail, et puis Voilà. qui suivent l'indication, quoi. Exactement. Et s'il y a beaucoup d'Espagnols qui veulent refaire un agapé online, à ce moment-là, on Ici, confirmera la otra date vez, hispanos du que quieren 14 volver ou du 16 otra vez mars. a los que vivieron eso, o lo programaremos antes del 18 de marzo. Son unas cuantas horas lo que se trata de vivir juntos. ¿Vale? D'accord, Bueno. ça va se décider dans les jours qui viennent, vous inquiétez pas. Alors, pour les Québécois, parce qu'ils s'énervent déjà. Ah. Alors, pour les Québécois, je ne dis pas les Canadiens, je dis les Québécois. S'il vous plaît, vous aurez le mail demain ou après-demain, parce que si je vous l'envoie avant, vous le perdez. Exact. Tout sera indiqué, il y aura rien, il y aura juste à suivre les indications. N'ayez pas peur, pour l'instant, j'ai envoyé personne. Et normalement, quand je vous réponds, suivez les indications et lisez ce que je vous dis. Parce que vous ne le lisez pas. Personne lit. Il y en a encore qui me demandent ton mail alors qu'il est sur le flyer. Alors, je préfère que vous m'écriviez sur Elie Shambala, que m'écriviez sur Elie Shambala. Está ahí puesto debajo de mi correo electrónico y si no, por mi WhatsApp. Pues nada, on va se dire au revoir. Nos despedimos entonces a todos. Gracias de haber estado ahí a la escucha. Y hasta pronto, si Dios quiere. À tout C'est bientôt. Eh un ben, moi, bien. je te dis à lundi, je te dis à lundi soir, hein, pour le vin, pour le Pour Québec. le Québec. Adiós a todos y a los québécois, on se voit lundi. Tout à Non. fait. Le vin, c'est lundi, oui. À bientôt. À bientôt, adiós. Pues nada, adiós a todos y hasta la próxima, si hay.